Je ne choisis pas mes mots. Ils me choisissent et me désignent. Me font, défont, défoncent. Attention au monde. Pas à peu, ils commencent l'écrivant. Chercher, naissent des moyens. Chercher à faire, à partir de l'un des premiers gestes acquis. Il couvrira terrain géant, migration de ses phrases, de ses sèmes, scènes, schémas. Il est schème, modèle, celui qui à tous les coups commence à voir, relire, délire. Continuité discrète de mes livres, chacun contredit le précédent. Je coupe court à ce qui serait du livre qui s'acheva, généralise ce qui, inconsciemment voulu par le livre finissant, forme qui se refermait, demeure moteur. Au début, quand ça va si mal, que rien n'est, je répartis le démarrage, que je grossis d'impureté, car, non pas nouveau dire, je crache pour poursuivre certains accents d'œuvres anciennes. Par le travaillage, l'écrire vient, s'affranchissant peu à peu de ses lambes, alors que s'accomplit, s'exprime, irréalisable à jamais, le désir, qui était. Et je noterai ce soir la silencieuse beauté des appareils électroniques. Ce soir, arrière-saison dans la gare de Soissons, buvette de cette petite gare de province. Autrefois, je rassemblais des dissemblables pour établir une équation, d'où les déplacements de la phrase tout au long du texte, vaguement formé dès ses débuts en son global. Livre ainsi se faisait, en ses fractures, lesquels donnaient la vie, le léger recul des ordres, durable et instantané. Ma forte fragilité, distance que je mesure d'un regard, un geste, les propositions bien formées, dues à certaines accalmies dans des situations de merde, voire tristesse face à l'inconscient infini de vie finissante, les temps vieillis près de moi. Rarement je vais les voir, jardin sous le donjon qu'étoile une nouvelle lume, infime satellite luisant du soleil de la nuit. Un roman. Depuis quelque temps, je songe à écrire un roman. Non pas raconter une histoire, montrer son exister. Isolant des uniques qui pourraient initier le long dire romanesque, ou maintenant le tonal des premières phrases de l'épilogue, réfléchir ma double expérience. De la vie sociale, où ils boivent, ont une pensée politique. De l'écriture, qui note et assemble. Et, à nouveau peine le cinéma, pas de dialogue, mais ponctuation, syntaxe. La rue du Bas de la Mule. Un Africain balaie le ruisseau dans sa combinaison épinard barrée d'une bande plastique couleur orange,